bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TaskKiller85. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière. Et ouais, on est le 15 mai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, c'est mon anniversaire. Alors, je serai là pour mon anniversaire, puisque vous verrez la vidéo demain, pour les plus assidus, bien sûr. Mais aujourd'hui, on est le 15 mai, donc ce n'est pas encore mon anniversaire réellement. Donc je ne peux pas me dire bon anniversaire, c'est pas possible. Par contre, il y en a qui l'ont déjà fait. Alors cette vidéo va être en, on va dire, deux ou trois parties. On va surtout aujourd'hui développer le Ishin, que je vous montre tout de suite, ROTG02, le petit récepteur qui permet de transformer son téléphone portable ou sa tablette en récepteur FPV. Alors, vous allez me dire, aujourd'hui c'est spécial, j'ai pas la même casquette. Ouais, je vous l'expliquais, ma caméra Geek 2P, j'ai bousillé le USB, ce qui fait que mon micro ne fonctionne plus. Donc j'ai mis la petite OnePa X2000 sous la casquette, de façon à être plus près du micro pour que ce soit meilleur. Donc je ne sais pas ce que donneront les images, on verra ça ensemble. Moi je le verrai un petit peu avant au montage. Donc première partie de cette vidéo, parce que demain on est le 16 mai, et donc c'est mon anniversaire, mais c'est également mon anniversaire de mariage, puisque je me suis marié le 16 mai à 16h, et oui, pas con, comme ça je suis sûr de pas oublier, j'oublierai jamais mon anniversaire de mariage. Donc j'en profite pour faire un énorme bisou à ma femme, que j'aime depuis plus de 18 ans maintenant, comme au premier jour, et plus que jamais, comme je lui ai dit le jour du mariage. Donc d'énormes bisous à elle, qui me supporte depuis plus de 18 ans maintenant. Ça, c'était le premier message, le plus important. Le deuxième message, ça va être pour certains de mes abonnés et amis, j'ai envie de dire, parce que ça devient plus que des abonnés avec le groupe Les Tazous et sur mon Facebook. On arrive à créer des liens un peu particuliers. Donc mon premier message sera pour toi, Françoise Franny, ma Franny, comme j'aime à l'appeler, parce que j'ai un petit colis qui est là et je tiens à lui montrer. Parce que je ne devais pas l'ouvrir avant le 16 mai. Et donc, il est toujours là. Ça fait 8 jours que je l'ai reçu. Plus de 8 jours. Et je ne l'ai toujours pas ouvert. C'est la première fois que je reçois un colis et que je ne l'ouvre pas. C'est dur, je vous assure que c'est dur. Mais ma Franny, je l'ouvre demain, quand c'est mon anniversaire. Et je le filme en même temps. Je le mettrai sur Facebook. Et bien sûr, je vous dirai à vous, sur YouTube, ce que c'était dans la boîte, bien sûr. Donc c'est mon cadeau d'anniversaire, je ne l'ouvrirai pas avant demain. Merci encore ma Franny, je t'embrasse très très fort. Un autre à qui je veux passer un petit message, il s'appelle Stéphane Calgaro. Pourquoi? Parce que Stéphane Calgaro a gagné à un de mes derniers concours, il a gagné le petit Razer X90 de chez eFlight, et il en est super content. Et il a joué avec, et il voulait me remercier à sa façon. Donc ce charmant monsieur a, en plus d'avoir une fille qui est adorable, et un fils apparemment, sa fille s'appelle Justine, et elle m'a fait un joli petit dessin avec le papa, Justine qui regarde, la cocotte nuts qui regarde aussi, et apparemment Quentin qui doit être le frangin qui se fait courser par le petit Razer X90. Donc Justine, je te fais d'énormes bisous à toi aussi, j'ai trouvé ça adorable. Et ce charmant Stéphane m'a aussi envoyé une petite boîte en me marquant: c'est avec plaisir que je t'envoie un tasse d'or, signé Stéphane. Le tasse d'or, il est là. Je sais pas si vous le verrez bien, regardez, check. Voici le tasse d'or. Je kiffe. Il fait ça avec une imprimante 3D et je trouve ça génial. Alors je sais pas si je vais le remettre droit. Tac. Mais je l'ai remis. Donc Stéphane m'a fait ça, le tasse d'or. Bah écoutez, j'en suis fier de chez fier. Il y a de grandes chances qu'il finisse sur une casquette à demeure. Mais il m'a aussi envoyé plein de petites choses comme ça qu'il a fait avec son imprimante 3D. Donc ça, c'est des bouchons pour les prises XT60. Ça, c'est des bouchons pour les petites prises JST. Alors j'en ai des rouges, des blanches, alors vide ou full, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais les deux fonctionnent, donc c'est des bouchons de JST. Là ce sont des petites fixations pour les prises balance, pour accrocher les prises de balance avec les câbles. Donc tu sais, moi Stéphane, que je les mets avec des élastiques, mais promis, je m'en servirai. Également une petite fixation pour un émetteur, pour fixer sur un drone, et puis la même chose des XT60. Donc merci à toi Stéphane, je ne fais pas des concours pour ça, je veux pas avoir des cadeaux en retour de mes cadeaux, mais en attendant, merci beaucoup, c'était adorable, ça m'a mis sur le cul quand je l'ai reçu. Donc voilà, je suis tout ému, hein, parce que franchement, j'ai pas l'habitude, je préfère offrir que de recevoir, et je suis tout émouvé, comme je dirais à ma fille, que j'embrasse au passage.
Et donc, c'est pas fini. J'ai aussi reçu, ça c'était pas en cadeau d'anniversaire d'ailleurs, Stéphane non plus, mais c'est tombé dedans, donc pour moi c'est encore des cadeaux. J'ai aussi reçu de la part de Jessie Mécatoche, ou Jess Mécatoche, je sais pas comment ça se dit, je ne fais que le lire. Donc Jess Mécatoche m'a fabriqué, ainsi qu'à Samuel, je vous en parle tout de suite, deux petits blocs comme ça, des supports, pour pouvoir mettre là. X2000 Wanpa justement, et ça fonctionne parfaitement bien. Il y a même l'emplacement pour passer la sangle, donc super. Je testerai bien sûr la Wanpa avec ça sur une voiture et sur un drone, bien sûr, puisque j'ai tout ce qu'il faut pour essayer. Donc merci à toi, mon geste est adorable. Je te fais des gros bisous à toi aussi, même si t'aimes pas les bisous. Et dernier message, love là. Merci, mon Sam. Merci, je te fais des gros bisous à toi aussi. J'ai reçu le polo ce matin. Donc, tu as une journée d'avance par rapport à mon anniversaire. Mais c'est plutôt pas mal quand même au niveau du calcul. Tu as fait avec les retards de la poste. Franchement, ils sont pas pressés du tout. Des fois, je vais plus vite à recevoir un colis qui vient de Chine qu'un colis qui vient de France. Allez savoir. Enfin, bref. Donc, voilà. Un gros gros bisou à la Trash Family. Taskiller 85 en rose fuchsia. Franchement, ça pète. Je kiffe. J'adore ce polo. Bonne qualité. En plus, bah, Vistaprint. Comme moi, j'utilise aussi Vistaprint pour mes polos, mes suites, etc. Donc voilà, allez faire un tour sur Vista. Même si je fais pas de la pub pour eux, je suis pas affilié pour eux. Mais ils font des bons produits. Et si jamais ils foirent, bah, vous leur dites et ils vous en refont un sans problème. Bref, mon Sam, merci beaucoup. Merci à la Trash Family dont je fais partie. Et puis bah écoutez, voilà, hein, prochaine fois qu'on se rencontre, je sais pas quel polo je devrais mettre, la Trash ou le Taskiller 85. En tout cas, voilà, on se fait concurrence, mais on est surtout de grands amis et de grands collègues. Donc merci à vous tous, merci aussi à tous ceux qui me soutiennent sur YouTube et qui m'encouragent bien sûr. Et puis même s'il y a quelques petites erreurs parfois, si je dis des conneries de temps en temps, ça arrive, je ne suis qu'un humain. Et oui, je ne viens pas d'une planète particulière. Bref, merci à vous tous. Et j'espère que bah, on pourra encore se parler très très longtemps. Allez, on rentre dans le vif du sujet, c'est parti. Bon, pour tous ceux qui sont restés jusque-là, déjà, bah, je vais vous faire une petite surprise. Cette vidéo, c'est aussi un vidéo concours. Il y a déjà celui de la dernière fois, de la dernière vidéo. Vous inquiétez pas, on n'en a jamais trop. C'est un petit concours aujourd'hui, mais pas comme d'habitude. C'est-à-dire que c'est pas moi qui vais vous faire un cadeau, c'est Banggood. D'ailleurs, tout ce que vous voyez là vient de chez Banggood. Sauf le téléphone, mais sinon tout vient de chez Banggood. C'est un de mes plus gros partenaires et c'est pour moi celui que je trouve le plus fiable, le plus rapide et le meilleur au niveau SAV. Donc c'est personnellement mon meilleur partenaire à l'heure actuelle et pour moi un des meilleurs sites. Je dis pas que c'est le meilleur ni qu'il n'y en a pas d'autres, mais c'est un des meilleurs. Il se classe dans les meilleurs en ce qui concerne les sites chinois. Donc merci Mariette, qui est mon intermédiaire chez Banggood, de me faire confiance et puis de continuer à m'envoyer des produits à tester. Et même si quelquefois je lui dis que son produit est pas terrible, ou je vous le dis à vous, et ben ça continue. Elle s'en fiche. C'est pas elle qui les fabrique. Elle les vend simplement. Enfin bref. Bien sûr, tous les links. Tous les liens seront dans la description. Que ce soit, bah, vous pouvez trouver les liens des produits que j'utilise moi, mon matériel personnellement, mais aussi les liens que je vous montre, bien sûr, vous avez juste à cliquer pour aller directement voir sur la fiche produit de quoi il retourne et le prix surtout. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du Rott G02, ce fameux petit récepteur FPV qui va vous permettre de transformer votre téléphone ou votre tablette en récepteur FPV pour pouvoir soit visionner quelqu'un qui fait du FPV, soit faire du FPV vous-même, soit même enregistrer directement votre session puisqu'il va remplacer aussi un DVR. C'est chiant ce clignotement là, je sais pas si vous ça vous gêne, mais moi c'est chiant. Mais bon, en même temps je vois quand ça enregistre ou pas. Qu'est-ce qu'il va y avoir à gagner dans ce concours et comment participer? Je vous le dis tout de suite, regardez. Hop, vous aurez à gagner aujourd'hui le X99A, ici de chez Banggood. C'est un petit engin décollage vertical qui peut aussi voler à l'horizontale. C'est moitié un drone, moitié un avion à 4 ailes. C'est chelou, c'est spécial, je le testerai même pas, même si j'en ai un autre à vous montrer ici et à tester, je ne l'ai pas encore fait voler. Donc ce petit cadeau vous sera offert par Banggood directement.
comment participer? Eh bien écoutez, ça va être simple. Pour participer, je vais mettre le lien dans la description de l'application Banggood. Donc Mariette voulait faire connaître l'application à tous ceux qui ne connaissent pas l'application Banggood. Donc je mettrai le lien de l'application dans la description, bien sûr, dans une petite partie concours, je pense, pour que vous le retrouviez facilement. Et pour participer au concours, il va falloir faire quoi? Ben simplement deux choses. La première chose, liker la vidéo. Bien sûr, vous le savez maintenant, si j'ai pas un like, ça compte pas. Sinon, je me fais engueuler. Et deuxième chose, il faudra télécharger l'application pour smartphone ou tablette, comme vous voulez. Il vous faudra simplement la télécharger. Alors, bien sûr, je ne vais pas pouvoir aller vérifier à chaque fois si vous avez téléchargé l'application. Par contre, au moment du tirage au sort, quand je tirerai au sort une des personnes dans les commentaires qui aura liké, je précise, je lui demanderai de m'envoyer un screen de son écran de smartphone, comme quoi il a bien téléchargé l'application. Si cette personne n'est pas capable de m'envoyer le screen, ça voudra dire qu'il n'a pas téléchargé l'application et ce ne sera pas validé. Donc, une fois qu'on aura notre gagnant, eh ben écoutez, je donnerai ses coordonnées à Mariette de chez Banggood, qui se fera un plaisir de lui envoyer ce petit cadeau bien sympathique. Et si je suis motivé, peut-être que je tirerai au sort une deuxième personne pour lui faire un cadeau moi aussi. Je vous dis pas quoi, c'est une surprise. Mais voilà, si les commentaires sont sympas, s'il y a suffisamment de likes sur la vidéo et que je suis de bonne humeur, eh ben je tirerai une deuxième personne au sort pour lui faire un cadeau. Je lui laisserai peut-être même le choix du cadeau. Si j'ai plusieurs choses à faire, à offrir, on verra ça ensemble. Bref, allez, c'est parti, on parle du Ishin ROTG02. Let's go! Alors, rien dans cette boîte, à part les accessoires, aucune notice, aucune information, mais rassurez-vous, vous avez tout sur le site. Donc j'espère que vous le verrez ici. Tac, je vais vous le mettre en grand. Paf! Voilà, vous avez toutes les informations, même une vidéo de démonstration ici, au niveau de la réception, et vous avez toutes les infos. Donc bien sûr, vous avez la description et vous avez aussi deux liens là pour aller télécharger l'application, vérifier que votre téléphone soit compatible, et vous avez aussi une liste de tous les téléphones compatibles ici. Donc bien sûr, moi là j'ai un Honor View 10, donc Huawei, il va jusqu'à Honor 8, vous imaginez bien que ce qui est sorti après est compatible aussi. Donc, vous pouvez vérifier que votre téléphone soit compatible. Attention, ce ROT G02 n'est pas compatible avec iOS. Celui-ci ne fonctionne qu'avec Android. Si vous voulez, si vous avez un iPhone, il vous faudra commander le ROT G01. Qui est également sur le site, je vous mettrai le lien dans la description, même si je ne l'ai pas testé. Il fonctionne parfaitement bien aussi, mais il n'a qu'une antenne, ce n'est pas un diversity. Donc voilà, vous avez tout sur le site pour la suite des événements. Donc ce petit ROT G02 est un diversity. On a réellement deux antennes, on a réellement deux récepteurs à l'intérieur. J'ai ouvert, j'ai vérifié. Et on a deux petits boutons en façade qui vont permettre soit d'avancer d'un canal par un canal, que dis-je, une fréquence par fréquence, voire de scanner directement. Et vous allez voir, c'est hyper simple. Donc vous avez deux antennes fournies. Donc des antennes linéaires, vous savez ce que c'est maintenant. Vous pouvez très bien mettre une antenne champignon, donc c'est du RPSMA femelle. Tac. Donc vous pouvez mettre un patch et une champignon, voire deux champignons, si vous travaillez avec un engin qui fonctionne en polarisé, qui a un champignon sur le pif. Là, en l'occurrence, pour le test, j'ai pris le Ishin QX90C Pro. Parce qu'il est en linéaire, tout simplement, et qu'on va se faire un petit test à la maison. Hop, donc voilà, une fois que c'est monté, ça, c'est prêt à fonctionner. Mettez bien les antennes comme vous voulez. L'idéal, c'est d'avoir une antenne dans un sens, une antenne dans l'autre. Pour moi, c'est la meilleure façon de capter à peu près tout. Vous aurez deux câbles fournis avec. Un câble compatible Samsung, par exemple, micro USB de base. Et vous aurez un câble ici, je ne sais pas comment il s'appelle, par contre, c'est micro USB, bien sûr. Hop, pour le côté OTG, mais un câble un peu plus gros comme ça, F2 peut-être, je sais plus, pour Huawei par exemple, tac, ici. Donc vous allez pouvoir faire fonctionner n'importe quel Android. Sinon vous avez votre câble à vous, je pense qu'il devrait fonctionner également directement. Voilà, donc là on est connecté, c'est tout bête. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant?
Alors, Go FPV ouvrir lors de la connexion de l'USB. Oui, on peut le mettre en automatique puisque moi je l'ai déjà installé. Là, je vais mettre non directement. Il vous faudra télécharger l'application Go FPV. Tac. C'est cette application Go FPV. Donc, je lance l'application. Go FPV, utiliser l'application, accéder au périphérique USB. Oui, bien sûr. Paf. Et automatiquement, vous allez tomber sur ce petit écran qui vous dit que vous êtes bien connecté. Pour la première connexion, il est possible qu'il vous marque « Voulez-vous vous connecter à telle caméra ?» Vous mettez « Oui, de toute façon, il n'y en aura qu'une, ce sera celle-là. » Donc, on va aller tout de suite voir les options. Quand vous allez commencer, vous aurez automatiquement ce double écran ici qui sert simplement à aller dans des lunettes, vous savez, dans un masque. Pour avoir les deux écrans séparés, voire la 3D, l'immersion totale. Mais hop, en appuyant ici, vous remettez simplement un écran simple. Ici, c'est pour réduire l'écran, et là, pour l'agrandir, tout simplement, avec plusieurs touches. À côté, vous avez le mode enregistrement, la caméra, ici. Donc, j'enregistrerai tout à l'heure. La première fois que vous allez enregistrer, il va vous demander si vous êtes d'accord, que ce soit dans le stockage, etc. Tout est enregistré dans le téléphone, bien sûr. Et le bouton stop ici pour arrêter simplement l'application. Tac, hop. Parce qu'au début, il faudra appuyer sur le bouton play pour lancer l'application. On a, hop, ici des options. Donc, auto start vidéo. Pour que la vidéo se lance automatiquement. C'est ce qui s'est passé chez moi. Sinon, il faut faire play, comme je vous ai dit. Max screen brightness, c'est pour augmenter, bien sûr, la luminosité. Fermer quand la caméra se déconnecte. Alors là, on peut l'enlever. On pourra le fermer manuellement. Pour voir les deux sides, donc side by side, ce que je vous ai montré juste avant pour la 3D, vous pouvez l'activer en direct si vous vous en servez que dans un masque. Stereoscopic mode eye padding, bigger value, smaller port, c'est pour réduire ou agrandir les deux petits écrans. Et alors auto start video recording, ça veut dire que dès que vous allez voir quelque chose, pouf, ça va enregistrer. Et vous pouvez enregistrer l'audio. Ici, on va l'enlever puisque là, je n'ai pas d'audio. Donc voilà, en ce qui concerne, paf, les options, tout simplement, hop, nous sommes connectés, donc on va simplement connecter notre appareil. Je vais garder ma batterie neuve, même si j'en ai 5. Tac, j'ai connecté mon petit appareil, et là, on a directement le retour, bien sûr, parce que j'étais déjà dessus. Sinon, comment faire? Eh bien, vous avez juste, alors, si vous faites des petits appuis comme ça, vous changez station par station, enfin fréquence par fréquence, vous voyez, 5879, 5881, donc ça monte de 2 en 2, et celui de gauche, bien sûr, sert à descendre, tout bêtement. Sinon, vous maintenez simplement le bouton, et il va lancer un scan, tout simplement. Il va choper au premier passage le plus puissant, donc le canal le plus important qu'il va trouver, voilà. Mais il va finir son scan, ça prend pas très longtemps. Il y a 150 canaux sur ce petit ROT G02, comme sur le G01. Et là, il a fini son scan et il a trouvé, tout simplement, hop, la meilleure fréquence. Donc voilà, on est directement sur l'engin. On va pouvoir regarder au niveau de la latence. Il y a une légère latence, environ 100 millisecondes. Donc, c'est pas un appareil, bien sûr, qui est destiné aux professionnels du FPV qui vont faire du race super rapidement, mais ça suffit largement. D'ailleurs, ils ont un autre matériel que ça, je vous rassure. Mais c'est carrément sympa, par contre, pour les débutants, mais les gens comme nous, soit, je vous ai dit, pour aller sur un site où des gens volent, vous pouvez enregistrer ou voir la session de vol directement, sans les déranger. Vous pouvez enregistrer votre propre session, ça vous peut vous servir de DVR, si vous n'avez pas de DVR, pour simplement une vingtaine d'euros. Vous voyez avec un masque de base et vous pouvez enregistrer votre session directement sur le téléphone. Mais vous pouvez vous en servir aussi pour le FPV sur des petits engins sans aucun problème. Vous verrez que la latence ne vous dérangera pas plus que ça. Alors on va tester tout de suite l'enregistrement. Bim ! Ça y est, l'enregistrement est parti. 1-1-1-1. Donc ça fonctionne. Je vous mettrai la vidéo bien sûr en incruste. Tac, je vais arrêter l'enregistrement. Donc voilà pour ce petit ROT G02, ROTG02 de chez Ishin. Bah écoutez, moi ça marche parfaitement bien.
Voyez si votre téléphone est compatible, mais logiquement, il n'y a pas de souci, ça devrait fonctionner, ça marche avec la plupart des téléphones, sauf si vous avez un vieux Nokia 8510, 8310, je sais plus, ça marchera pas, ça c'est sûr et certain, il vous faut au moins un écran, c'est clair. Donc voilà, 150 canaux, bonne réception de l'engin, d'ailleurs on va se tester ça, mais j'ai vu plusieurs tests sur YouTube et franchement on dépasse les 400 mètres, 500 mètres, et encore j'en ai vu qui testaient avec une antenne polarisée sur le drone et les antennes linéaires sur l'engin, donc je pense que déjà si on dépasse les 200-300 mètres c'est largement suffisant puisqu'on est dans la réglementation tout simplement. Donc voilà pour ce petit Rode G02. Moi j'aime bien, franchement ça peut vraiment dépanner. Je vais pouvoir arrêter l'enregistrement, paf, ici. Parce qu'après je galère au montage. Petit détail qui a son importance quand même pour ceux qui seraient intéressés. On a également un port juste à côté ici. Pas un port gruig, un port. Et en fait il y a 4 pins simplement. Donc il faudra le câble puisqu'il n'est pas fourni avec. Et sur ces 4 ports, vous avez l'audio au premier, la vidéo, l'alimentation au troisième et le ground, donc le neutre au quatrième. Ça c'est pour le relier directement sur un écran FPV, tout bêtement. Par contre, vous n'aurez pas le scanner. Quand vous allez scanner, vous n'aurez pas les traits que vous avez sur le téléphone. Vous aurez simplement l'écran qui va passer en noir et qui se calera une fois que le scan sera terminé. Donc voilà pour ce petit Rode G02. Hop, je vais pouvoir débrancher. Et ça consomme pas énormément. J'ai vu que la batterie ne descendait vraiment pas beaucoup sur le téléphone. Donc maintenant, il me reste plus qu'à faire un petit test. Donc ce que je vais faire, je vais mettre en route le masque. Vous aurez le retour du DVR sur le masque, donc qui sera en 16 neuvième. Là, je pense qu'on sera en 4 tiers. Et je vais enregistrer dans le masque et je vais enregistrer dans l'application. Et donc vous aurez les deux. Pour vous faire une petite idée, on va essayer de sortir un peu de la maison, voir si on perd la connexion ou pas, tout simplement. Donc je ne sais pas si je vous parlerai pendant, mais en tout cas, je vous mets toutes les images. Donc si on ne se revoit pas, vous vous ferez votre propre petite idée sur le Rode G02 de chez Yixin, avec les images que vous allez voir. Et puis, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire encore une fois merci beaucoup, merci à tous. Le jour où vous verrez la vidéo, je serai en train de fêter mon anniversaire, je serai... Non, je serai pas bourré puisque je bois pas. Mais je serai certainement en train de faire un petit peu la fête avec ma famille et mes amis. En attendant, merci à tous. Portez-vous bien. À très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao. Tasse d'or. Allez, la classe.
Hehehehe